Bonjour messieurs. Bonjour. Veuillez vous présenter à Guinée Matin. Je suis Sébastien Jodotamou, conseiller juridique du gouvernorat de la ville de Conakry. Voilà, merci de nous accorder cette interview ici au siège du gouvernorat. Nous constatons un certain changement de la physionomie de la ville de Conakry à l'approche des fêtes de fin d'année. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Oui, vous avez constaté des illuminations, des décorations des principales artères de la ville de Conakry. Et c'est bien sûr dans le cadre de la célébration de la troisième édition de la Ville Lumière à Conakry. Le concept de Ville Lumière qui est créé par le gouvernement de la ville de Conakry, qui est déployé depuis 2016. Et il y a eu l'édition 2017 et nous sommes à la troisième édition 2018. Et alors, les préparatifs, comment ça se passe maintenant, là, à l'instant T? Ça se passe très bien. Depuis un peu plus d'un mois, on a commencé la décoration des artères principales. Et hier, le 20 décembre, nous sommes rentrés dans les animations en organisant un concert géant au boulevard Telly, au compte de la commune de Kaloum. Voilà. Et est-ce que les autres communes seront aussi touchées par ces concerts? Ces concerts vont se dérouler dans toutes les communes de la capitale, y compris dans la sous-préfecture de Kassa. D'ailleurs, je voudrais profiter pour annoncer que demain, ce sera le concert de la commune de Détsine. Ce concert sera organisé à la terrasse du 28 septembre et sera animé par Petit Kanya avec un groupe d'artistes invités qui vont animer à partir de 19h jusqu'à X heures. Et donc, ces concerts, c'est ouvert au public hein, et les gens ils viennent se délecter de l'ambiance. C'est des concerts partout hein, qu'on organise pour animer. Donc, c'est des concerts gratuits. C'est offert par la ville de Conakry aux citoyens pour que nous puissions célébrer la fête de la lumière à Conakry dans la gaieté et dans la joie. Voilà, et par rapport aux différentes décorations, toutes les communes sont concernées, je suppose hein? Toutes les communes sont concernées. Il y a des équipes qu'on a éclatées partout sur les artères. On va faire un maximum pour que les coins et recoins de Conakry soient touchés. Et nous sommes en partenariat avec des gens qui assistent pour que nous puissions suffisamment déposer le matériel, décorer les espaces publics dans la ville de Conakry. Voilà. On remarque que ces matériels qui sont là pour décorer, c'est luminescent et ça brille. Et c'est quoi la source d'énergie? La source d'énergie, d'abord, c'est des produits lumineux. Qui sont importés de la Chine et on branche maintenant l'énergie électrique ici, au circuit électrique avec EDG et qui donne l'illumination. Voilà, est-ce que ça peut. Quelle est la durée de vie de ces instruments, de ces éléments que vous installez? Ça va durer, si l'entretien est fait correctement, ça va durer, mais nous allons les désafficher à partir du 31 janvier. C'est-à-dire que c'est une période, quand la période passe, on désaffiche, on conserve, et la prochaine édition encore, on affiche. Ce ne sera pas toute l'année, on ne va pas afficher toute l'année. Et comment ça s'est obtenu? C'est un budget du gouvernorat qu'on a créé et le marché a été confié, je ne sais pas si on peut avoir des détails. Oui, c'est le gouvernorat qui a initié, mais nous organisons en partenariat avec plusieurs opérateurs, avec plusieurs prestataires, des gens qui nous aident. Quand on développe le concept, c'est acquis. Il y en a qui prennent la responsabilité, c'est même de décorer chez eux sans que ce soit par nous. Et c'est pourquoi il est difficile d'évaluer un budget par rapport à cela, parce que c'est des assistances, c'est des partenariats, c'est des gens qui font volontairement chez eux, dont nous ne savons pas toujours le coût. Ouais, ouais, mais vous avez des gens quand même que vous avez recrutés, entre autres, qui s'occupent de ça peut-être. Il y a un opérateur principal qui est créé, qui est recruté pour ça plutôt, et qui montre aux gens comment ça se fait, qui prépare le design et tout. Mais plusieurs équipes volontaires, hein, de travailleurs du gouvernement, des volontaires qui sont là sur le terrain, qui sont en train de faire le travail.
Peut-être que le clos du spectacle, ce sera le 31 décembre. On a vu l'année dernière ici un feu d'artifice assez magnifique. Est-ce que ce sera reconduit cette année aussi? Il aura, le feu d'artifice a commencé hier. Hier, déjà au concert de Calom, on a lancé un feu d'artifice. Plutôt samedi, le 22 décembre, à la terrasse du stade de Wetrostopland, il y aura un feu d'artifice. Et bien, le clou de l'événement, puisque c'est le passage de 2018 à 2019, nous allons rentrer dans le mois de janvier. C'est le 5 janvier 2019 au stade Kabiné Kouyaté que les festivités vont prendre fin. Ce sera le concert de Matoto, ce sera un peu la finale ce jour-là. Et il y aura aussi les feux d'artifice. Oui, le 31, on aura tout de voir ce feu d'artifice au Palais du Peuple, hein, je crois. Oui, là c'est avec le gouvernement que ça s'organise. Ce sera pas seulement le gouvernement de la ville de Conakry, c'est avec le gouvernement que cela s'organise. Oui, ces feux d'artifice, est-ce qu'il y a des risques quand même? Est-ce que vous avez tenu compte des risques que cela comporte avec les gens de la pyrotechnie? Peut-être que vous travaillez avec ceux-là. Est-ce qu'il n'y a pas des risques quand même dans la manipulation de ces engins-là? Et quand il y a des feux d'artifice de grande envergure, avec des choses qui vont monter plus loin. Là, c'est préparé avec des techniciens, des gens qui sont agréés, qui ont l'expertise internationale à la matière. Là, ça ne se prend pas à la légère. Les organisateurs, les initiateurs prennent soin de prendre des bureaux d'études, des gens qui sont spécialisés. Là, des dispositions sont prises en la matière. Ok, vous avez peut-être un appel à lancer, monsieur Siba. L'appel qu'on a lancé, que j'ai moi personnellement lancé à l'endroit des citoyens de la ville de Conakry, pour dire que ce concept est venu pour que nous puissions passer de l'année 2018 à l'année 2019 dans la gaieté, dans la joie. Et je veux profiter de votre micro pour dire bonne fête de fin d'année et bonne année 2019 à l'ensemble des citoyens de la ville de Conakry. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur Yalou. Gine mantene